La saison des pluies a été particulièrement brutale cette année au Niger et a endommagé plusieurs infrastructures importantes du pays, dont certaines portions de routes principales, des maisons ont été détruites, ainsi que le commerce du fait du glissement de terrain. Et l'un des principaux problèmes engendrés par ces fortes pluies, c'est l'approvisionnement d'essence fortement ralenti vers la capitale Niamey. À Niamey, justement, la rareté de l'essence se fait ressentir et l'économie a déjà ralenti. On écoute des automobilistes. Dans la matinée, je suis venu ici, je n'ai pas trouvé. Ça fait 4 stations que je n'ai pas trouvé. Si nous sommes dans les pénuries, aujourd'hui et demain, c'est fini, ça va finir. Presque toutes les stations qui ont des carburants, presque vont finir. Vraiment, c'est fatigant. Cela a beaucoup affecté notre travail. Il faut attendre dans la queue. Mais quand vous êtes chauffeur de taxi, vous ne pouvez pas vous permettre de stagner. La plupart d'entre nous gagnons à peine de quoi vivre. Cette pénurie d'essence nous bloque vraiment.